Salut Sarah. Non, don't worry, you can come in. Je suis mon amour, bientôt je commence un cours. Après, on ferme la porte, on la laisse fermer, ok? Avec qui? Avec Dieu. Tu veux écouter toi aussi? Pas trop, hein? Je t'ai mis le lien Zoom dans la conversation. Sinon, c'est sur la même chaîne, hein, sur la chaîne de ma chère. Oui, mais t'inquiète, j'ai envoyé. Merci beaucoup, Ali. Okay. T'inquiète, j'ai envoyé à tout le monde en privé. Ok, Aslacha. Merci, papa. Bisous. Alors, ça y est, il est 30, on va attendre que quelques filles rentrent. Je vais envoyer sur le podcast. Super. Je pense qu'on attend encore une petite minute parce qu'il y a des filles qui m'ont dit qu'elles voulaient venir. On attend pour le début. Donc, on voit. Salut Mazal. Salut. C'est qui iPhone? Je ne connais pas. C'est Michal. Ah, c'est Michal. Super, Michal. Attends, je vais... Super. Trop bien, Michal. On commence bientôt, Bezrat Hachem. Salut, Eden. Eden Ouliel, je pense qu'elle n'a jamais raté un cours depuis le début. Salut, la vie. Salut, toi, ça va? Je suis trop contente que tu es là. Trop bien. Bon, je pense qu'on va commencer maintenant. On va commencer maintenant et après, on va... Voilà. On va commencer tout de suite et ensuite, encore une fois, celle qui rate le début, ce n'est pas grave, tout est sur YouTube. Vous pouvez revoir le début des cours, etc. Et de toute façon, en général, le début, c'est la révision de ce qu'on a vu avant. Donc, je n'ai pas le même ordinateur. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche, le son et tout? Oui, je pense que c'est bon. Super. Salut, Géoula. Alors, on commence en précisant que ce cours, il est Léon Nishmad Menachem Lirebi, Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, et que toutes les misotes qu'on fait en son nom et tous les cours qui ont été étudiés en son nom, Bezrat Hashem, ils font qu'il est une Aliyat HaNeshama très, très haut. Juste en dessous du trône d'Hachem et qui nous ramène Mashiach très très vite. On attend que ça. Sorry. Ok, alors on commence. Super. Alors, dans les prakim d'avant, on avait parlé, on va faire une mini révision des prakim d'avant pour comprendre. Là, on arrive au Pérec où
Salut Batia, on arrive au Pérec où la Nourazakan nous dit Tachles. Ok, là on a vu la Nefesh Abahamit, on a vu la Nefesh Elokit, on a expliqué que chaque, on a expliqué un peu comment elle marchait chacune. Et là maintenant, la Nourazakan va nous expliquer la réalité du monde, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, cette guerre-là qui est constante entre les deux, la Nefesh Elokit et la Nefesh Abahamit, l'âme animale et l'âme spirituelle, tout ça, qui se battent tout le temps. Il va nous expliquer c'est quoi cette bataille et comment on fait pour vaincre cette guerre. Alors, juste pour résumer ce qu'on avait vu dans les pratiques d'avant, chaque Neshama, la Nefesh Abahamit et la Nefesh Elokit, elles ont les deux, elles sont composées des mêmes choses. Elles sont composées de 10 facultés, c'est les 10 Midot, on les appelle comme ça dans le Tanya. Il y en a 3 qui sont intellectuelles et il y en a 7 qui sont émotionnelles. Donc ça, on en avait parlé en long, en large, en travers dans les pratiques d'avant. On avait expliqué qu'il y avait les 3 Levushim, Marshava, Dibour et Maasé, et que c'était comme ça qu'on faisait les mitzvot ou qu'on faisait Chazé Shalom des choses pas trop bien. Et on avait parlé ensuite, dans les derniers prakim, de la klipa. On avait dit qu'il y avait la klipa de Noga, la klipa qui était juste extérieure, et puis il y avait la klipa Shalosh Klipot Atmeot qui était Chazé Shalom, quelque chose d'inkedouchable. On ne pouvait pas le rendre kedoucha. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu aussi un enseignement super, super beau, à quel point quand on faisait Torah et mitzvot, on ramenait Hachem à l'intérieur de nous et on transformait notre corps, on transformait notre façon de penser à jamais. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah et on met de la Torah à l'intérieur de notre tête, ça nous influence pour toute la vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un qui, par exemple, il a eu les bases quand il était petit, même si après, vous le prenez depuis qu'il a 5 ans et qu'il va, il y a plein d'histoires comme ça, en Russie, à l'armée, qu'il a tout oublié, qu'il ne se rappelle de rien, le jour où il a le déclic, la base, elle est tellement forte, elle est tellement là qu'il n'y a pas de problème. Tout revient. Tout revient. Il a tellement d'influence de cette Torah. La Torah, elle nous influence à jamais. Donc, on avait vu le pouvoir d'étudier la Torah et le pouvoir de faire des mitzvot. Super. Alors là, maintenant, dans ce pérec-là, la Nourazakan, il va nous expliquer la réalité. Il va nous dire, OK, on a ces deux âmes qui sont à l'intérieur de nous, mais elles se battent toute la journée. Elles sont là et elles se font la guerre toute la journée. Et il va nous expliquer cette réalité-là. Il va nous expliquer cette guerre-là. Il va nous dire comment on peut faire pour vaincre cette guerre. Alors, ce n'est pas en un cours et ce n'est pas en 30 minutes qu'on arrive à vaincre notre tétérara. C'est un travail d'une vie, mais c'est fou comment l'Anmorazaken, il nous le met tellement clair et il nous l'explique tellement avec des mots pas chou, des mots simples, que ça a l'air d'être super facile. Quand on écoute comme ça, quand on lit le Péréclanien, on se dit, bah, en fait, tic-tac, l'Anmorazaken, en 2-3 secondes, il a réussi à gérer l'âme animale. Alors, on commence. Il y a deux Nefesh, Nefesh Abahamit, Nefesh Elokit, l'âme animale et l'âme spirituelle, l'âme de la Gdusha. La Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle se situe, Admorazakan y commence comme ça, dans le cœur. Et elle se situe où dans le cœur? Dans la partie gauche du cœur. Donc le cœur, il est séparé en deux parties. Dans la partie gauche du cœur, c'est là-bas qu'elle se situe, l'âme animale. Et Admorazakan dit que la partie gauche du cœur, c'est là-bas qu'il y a le sang. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, j'espère que vous entendez bien. Il y a tout le monde qui, au fait, j'aime la maison qui bouge. Alors, l'Anmorazakan dit, dans la partie gauche du cœur, c'est là-bas qu'il y a le sang. Et le sang, c'est ça la Nefesh. Alors, il y a une Adam ou un Nefesh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne mange pas de sang. Parce que le sang, c'est... Bon, il faut absolument que je bouge parce que j'ai l'impression... Dites-moi si vous entendez normalement, même s'il y a du bruit autour. Oui, on entend bien. On entend bien, ça va, je continue. Bon, s'il y a trop de bruit et que vous voyez que ça dérange, je bougerai, j'essaierai de trouver, je ne sais pas où, mais un autre endroit. Salut à Thérèse. Alors, on continue. Donc, cette Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle se trouve dans la partie gauche du cœur, là où il y a le sang. Et le sang, on dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas manger, qui est impur. Et c'est pourquoi? Parce que c'est la Nefesh. C'est là-bas qu'il y a la Nefesh Abahamit, l'âme animale. Cette âme animale-là, comment ça se passe le procédé? Elle est dans le cœur, et du cœur, le sang, il va de partout, avec toutes les vulves et toutes les veines et tous les machins. Le sang, il se disperse dans tout le corps, et il donne, c'est ça la vitalité qu'on reçoit de la Nefesh Abahamit. Et il monte même jusqu'au cerveau. Et quand on a la Nefesh Abahamit qui influence notre cerveau, le sang, il monte jusqu'au cerveau, et ça arrive des fois, malheureusement, que c'est la Nefesh Abahamit de notre cœur qui influence notre cerveau. D'ailleurs, ça arrive quand on a envie d'un truc super bon à manger, on le voit. Ah, on désire, du cœur, ça monte au cerveau. On avait déjà parlé de ça la dernière fois. Ça monte au cerveau et on a
On réfléchit comment je peux faire pour avoir ce hamburger qui est en face de moi. Comment je peux faire pour avoir ce désir qui est en face de moi, cette maison, cette voiture, peu importe quoi. Donc, on a dit ça commence du cœur, à la partie gauche. Par contre, la nefesh à Elokit, où est-ce qu'elle se situe? Sa place, c'est le cerveau. Elle est dans le cerveau. C'est là-bas qu'on la trouve, la nefesh Elokit. Et de la même manière que la nefesh à Bahamid, elle disperse un peu partout sa force et elle arrive dans le cœur aussi. Mais par contre, elle arrive dans le cœur, dans le côté droit. Il y a écrit dans le Pérec que dans le côté droit du cœur, il n'y a pas de sang. Ok, ça c'est vraiment pas chouette les mots de l'âme Mourazakel. On a compris, la nefesh à Bahamid, l'âme animale, elle est dans le cœur. L'âme spirituelle, la nefesh à Elokit, elle est dans le cerveau. Maintenant, l'âme Mourazakel, il explique. Alors nous, on sait qu'il y a une guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Nous, on connaît tout ça. Mais à l'époque de l'âme Mourazakel, je ne sais pas si vous vous rappelez le premier Pérec qu'on avait fait une introduction, on avait dit que ces gens-là qui étudiaient le Tanya, les élèves de la Mourazakhan, c'était des tzadikim incroyables. Ils faisaient des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot. Et ils avaient aussi des envies et des désirs d'humains, en fait, comme nous, comme tout le monde. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi ils avaient tout d'un coup un désir de faire quelque chose de pas trop bien ou de faire quelque chose de pas forcément kadosh, etc. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils allaient se plaindre à la Mourazakhan. Et c'est la Mourazakhan qui leur a expliqué, non, c'est normal. Donc nous, on connaît ça parce qu'on a grandi, on a toujours entendu, ah non, n'écoute pas le Yetzer Hara, n'écoutez que le Yetzer Tov. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour eux de comprendre. Les gens, au tout début, quand ils ont reçu le Tanya. Et nous, aujourd'hui, la Mourazakhan, il va rajouter un petit détail que même pour nous, ça va être une découverte énorme. Et à chaque fois que je réétudie ce Pérec, moi, j'adore ce Pérec. Et d'ailleurs, avec ce qui se passe économiquement aujourd'hui dans le monde, avec ce qui se passe en Israël, c'est exactement ce Pérec-là. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, on a dit la nefesh à Bahamid, on a dit la nefesh à Elokit. Et maintenant, il y a la guerre. Donc là, l'Admor Hazaken va nous expliquer, maintenant qu'on sait où est-ce qu'ils sont, maintenant qu'on a compris des prakim d'avant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque nefesh, nefesh à Bahamid et nefesh à Elokit, on va expliquer cette guerre qui se passe entre les deux. L'Admor Hazaken, il dit comme ça, notre corps, c'est comme une ville ou un pays. C'est comme, on va dire, une ville. Cette ville, il y a deux rois qui veulent diriger la ville. On a d'un côté le roi Nefesh à Elokit et d'un côté le roi Nefesh à Bahamid. Et les deux, ils veulent diriger la ville et ils veulent être maîtres de la ville. Maintenant, quand un roi veut être maître d'une ville, qu'est-ce qu'il veut? Disons que c'est un parti, par exemple, vous voyez le parti droit, parti gauche, ils veulent que tout ce qu'il y a dans le pays, tout ce qui marche dans le pays, il soit de leur parti. Que tout marche du parti gauche ou tout marche du parti droit. Ils veulent que, si c'est la Nefesh à Elokit, elle veut que tout le corps, de la tête, du cerveau, jusqu'aux orteils, ça soit pour Hachem. Que toute la marchava, le dibour, le maasé, les pensées, tout, ça soit que pour Hachem. La Nefesh, si c'est la Nefesh à Elokit qui est la reine, qui gagne, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui dirige, donc du coup, tous les membres de notre corps, ils font des choses pour Hachem, etc. Si par contre, c'est l'âme, la Nefesh à Bahamid qui gagne la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Cette Nefesh à Bahamid, elle veut rendre chaque membre de notre corps, chaque chose qu'on a, du cerveau jusqu'aux orteils, pas forcément mauvais, mais des plaisirs. L'âme animale, elle veut du plaisir. Elle veut penser à elle. Elle veut moi. Elle veut je, son ego. C'est ça qui est important pour elle, le plaisir. Donc là, on a une guerre entre deux choses. On a une guerre entre quelqu'un qui veut diriger le pays et qui veut rendre le corps kadosh, et on a quelqu'un d'autre qui veut diriger le pays et qui veut rendre tout le corps avec beaucoup de plaisir de la vie. Alors les plaisirs, ça peut être acheter une super voiture, avoir une nouvelle maison, des plaisirs de la vie, et ça peut être aussi, salut Sarah, je trouve comment tu es là, et ça peut être aussi des plaisirs de la vie, ou ça peut être aussi des choses pas forcément bien, et ça c'est du côté de la nefesh à Bahamid. Donc, maintenant qu'on a cette guerre, ça arrive des fois qu'il y en a un des deux qui gagne. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait les deux qui soient forts en même temps. Et là, la Mourazakhan, il rajoute un petit point. Ce n'est pas possible qu'il y ait la Nefesh à Bahamid et la Nefesh à Elokit en même temps qui dirigent. C'est-à-dire que quand il y en a une qui est en haut, il y en a une qui est en bas. Quand il y en a une qui est en bas, il y en a une qui est en haut. Et c'est comme ça tout le temps.
On ne pourra jamais avoir les deux en haut ou les deux en bas. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une force, on a toujours besoin d'avoir la force de quelqu'un, d'une des népêches. Donc il dit, disons que maintenant, on décide d'être des super personnes, des super sadikim, et on décide de faire des mitzvot, et encore des mitzvot, et encore des mitzvot. Et H24, 7 jours sur 7, on ne fait que des mitzvot. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nefesh elle quitte, elle dirige, elle est reine de notre corps. Et bien, sachez que ça ne suffit pas à la nefesh elle quitte. Elle n'est pas satisfaite. La nefesh elle quitte, elle veut plus. La nefesh elle quitte, elle n'est pas là pour diriger le corps. Elle n'est pas là, elle ne veut pas seulement être maître de ce qui se passe, maître des actions. Je décide, tu vas faire que des choses kadosh, je décide, tu vas avoir que des pensées de gdusha, je décide, tu vas parler que des choses bonnes. Non, elle ne veut pas que ça. La nefesh à Elokit, elle veut aussi transformer la nefesh à Bahamit en quelque chose de spirituel. La nefesh à Elokit, elle ne veut pas juste être passive et dire, ok, tout ce que tu fais, c'est des mitzvot, bravo, et ta nefesh à Bahamit, on la met de côté, on la pousse. Non, non, non. Elle ne veut pas la pousser. Elle veut au contraire que cette nefesh à Bahamit, elle soit active et qu'elle agisse dans son sens, dans le sens de la Gdusha. Alors, pour vous expliquer juste quelque chose, ces gens-là qui écoutaient le Tania au tout début et qui lisaient ce pérec de Tania que la Mourazakan leur donne, c'est un choc pour tout le monde et d'ailleurs pour nous aussi parce qu'on entend toujours repousser le Yetzer Hara, ne pas y penser, pousser-le, il faut le chasser de chez nous, etc. Et là, la Mourazakan nous donne un énorme chidouche, il nous dit non. Il ne faut pas repousser le Yetzer Hara, il faut le prendre et presque faire miftaim sur lui et le changer, le transformer pour que le Yetzer Hara devienne un Yetzer Tov et que les deux ensemble soient plus forts. Et que les deux ensemble ils s'allient et qu'on fasse les mitzvot avec les deux alliés, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, ensemble dans notre corps pour une même bataille, pour une même mission, on va dire, pas bataille du coup. Et ça, c'est super fort. Et ça, c'est un chidouche énorme que la Moura Zakhin donne. D'ailleurs, c'était un des premiers à dire on ne repousse pas l'Yetzer Hara, on accepte l'Yetzer Hara et au contraire, on le transforme. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment waouh de ce pérec. Maintenant, la Nefesh, quand je dis Nefesh, c'est Nefesh la Malmite, quoi. La Nefesh, elle veut du plaisir. Si vous rappelez ce que je viens de dire là, juste avant, la Nefesh, ce qu'elle veut, c'est quoi? Du plaisir. Elle veut moi, elle veut... Alors là, je vais faire une petite side note et vous donner un petit exemple pour comprendre ce que je vais dire après. Pour celles qui ont déjà travaillé avec des enfants, ou pour celles qui ont elles-mêmes des enfants, ou celles qui ont des neveux, nièces, peu importe, quand vous êtes à côté d'enfants, vous voyez qu'il y a un moyen très très simple de les manipuler pour que les enfants veuillent faire ce qu'un adulte veut. Au lieu de forcer un enfant, surtout aujourd'hui dans toutes les études, tous les grands scientifiques et les grands psychologues, etc., ils vous diront, ah mais si vous voulez par exemple qu'un enfant fasse quelque chose, il faut le rendre fun. Il faut dire, ah viens, on va aller manger les légumes. Et ça devient une super attraction, on va courir manger les légumes, on est trop pressé, c'est trop bien et on est content. Et dans la tête des enfants, il est super content parce que, yes, sa maman, elle dit en mode, yes, yeah, trop bien, yeah. Ça a l'air d'être un truc de folie, ça a l'air d'un truc de ouf. Yes, on y va. Et il est content, il va manger les légumes. Bah, à la fin, si jamais on avait dit, allez, tu dois manger les légumes, t'es forcé, croyez-le que vous montez, vous descendez, il ne voudra pas le prendre, ce légume. Ça ne l'intéressera pas. Si par contre, ça a l'air cool, ça a l'air fun, yes, on lui fait croire et on le manipule un peu pour lui dire, c'est un plaisir, c'est quelque chose de bien. À ce moment-là, lui-même, il va vouloir aller et prendre des légumes. Il y a des familles, par exemple, qui n'ont jamais de bonbons chez eux et ils ont, je sais pas moi, des tomates cerises. Pour eux, c'est leur bonbon. Alors, l'enfant, pour lui, c'est genre, yes, je vais manger les tomates cerises. Et puis, vous allez avoir d'autres familles où la tomate cerise, c'est obligé de le manger. Ils n'ont jamais en vouloir. Alors là, l'Almora Zakel nous dit un peu la même idée avec notre Nefesh HaBahamit. Il nous dit manipuler la Nefesh HaBahamit. Et si on arrivait à faire croire à notre Nefesh HaBahamit, pas à faire croire, à faire réaliser à notre Nefesh HaBahamit que le vrai plaisir, c'est la Gdusha. Alors, la Nefesh HaBahamit, elle voudrait, puisque ce qu'elle veut, c'est du plaisir. Alors, on lui dit, le plaisir du monde que tu peux avoir, le meilleur, c'est d'avoir la Gdusha. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile à dire comme ça et qu'il y a un très long process comme ça pour pouvoir arriver à cette chose-là. Mais là, c'est que le début, c'est que l'idée générale. Et après, dans les prochains prakim, Admor Hazaken, il va nous expliquer comment on peut faire ça. Mais de dire à notre nefesh, à Bahamit, c'est ça le plaisir. Tu cherches du plaisir toute la journée, tu cherches des kiffs, tu cherches un moyen d'avoir toujours des kiffs, toujours du plaisir, toujours toi. Tu veux penser à toi? La Torah.
les mitzvot. Écoutez Hachem, parlez bien. Ces choses-là, c'est ça le plaisir. Manipuler notre nefesh à Bahamit pour la rendre nefesh Elokit. Faire, entre guillemets, miftaïm sur elle pour la transformer et la rendre nefesh Elokit. Maintenant, ça c'est le premier exemple avec l'enfant. Maintenant, si vous prenez un animal et un humain, qui est le plus fort en général, quand on parle des vrais animaux, on parle d'un lion, un éléphant, un truc. Si vous voyez un lion dans la rue, je suis sûre qu'il n'y en a pas une d'entre vous qui va s'arrêter prendre des photos, on va tous se mettre à courir et partir. Parce qu'un animal, il est plus fort que nous. Un animal, une vraie chaya, on parle d'un animal chaya, animal, c'est fort, c'est beaucoup plus rapide que nous, c'est agressif, quoi. Et nous, on n'est rien comparé à eux. Alors maintenant, la Nourazakan, il prend cet exemple-là et il dit, imaginez que notre nefesh Bahamit, c'est un animal. Alors oui, c'est vrai, c'est super dur de la manipuler. Et oui, c'est super dur de la dresser. Mais le jour où vous dressez un animal, avec cette force qu'il a d'animal, beaucoup plus forte qu'un humain, beaucoup plus forte que quelque chose de normal, régulier, vous prenez cette force-là et vous la transformez en bien. Cette force, elle est beaucoup plus forte que la force de la Neshama. Alors, la Nefesh Elokit, c'est ça qu'elle se dit. Elle se dit, moi, je suis forte parce que je suis avec Hachem, etc. Mais si jamais j'avais cette force énorme, cette force animale de la Nefesh Bahamit qui était avec moi, on serait super fort, en fait. Parce que la Nefesh Bahamit, elle est beaucoup plus forte que la Nefesh Elokit. Elle a une force beaucoup... Imaginez-vous un animal qui doit courir d'un point A à un point B. Pour nous, ça va nous prendre 3 heures. Pour lui, ça va lui prendre 3 minutes. Il a galopé, 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 il est arrivé. C'est pareil pour les mitzvot. Pour nous, si on était qu'avec notre nefesh Elokit et on essayait, on se battait, ça nous aurait pris une éternité pour arriver à un certain but. Par contre, si on avait la nefesh Elokit et la nefesh Bahamit, on aurait la nefesh Elokit qui est déjà en chemin en train d'aller faire les bonnes choses. Et puis, on aurait cette force de la nefesh Bahamit qui nous pousse et qui nous pousse et qui nous pousse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très connu quand vous voyez des fois dans des classes, un enfant qui est surexcité, qui est hyper dur à gérer, qui a une énergie énorme, etc. Il y a 2 façons. Soit, Chas v'Shalom, il va utiliser cette énergie dans un côté qui n'est pas super, et après, ça ne va pas forcément, se finir bien. Ou soit, il va utiliser cette énergie quand il va grandir pour quelque chose d'incroyable. Et ça devient des gens qui deviennent des PDG d'entreprise. Ça devient des gens qui ont peur de rien parce qu'ils ont cette force qui sont en fait... Je vais pas dire animal sur une personne, mais ça veut dire la force de la nefesh Bahamit qui est tellement forte, si on la transforme, alors là, c'est d'ailleurs pour ça qu'un Baal Teshuva, quelqu'un qui a fait Teshuva, il avait d'abord cette force animale qui était énorme, qui était super forte. Et là, il a pris cette force animale et il l'a transformée en Gdusha. Alors évidemment, c'est plus fort qu'un tzadik qui avait que la Gdusha. Il avait une force qui était négative, qui était pas bien, qui était mauvaise, etc. Il a pris, il a transformé en Gdusha. Alors là, il avance à 500 000 à l'heure. Donc ça, c'est le chidouche qu'on a dans ce pérec-là. L'Anmurazaken, il nous dit, utilisez votre nefesh. Ne le repoussez pas. Utilisez votre nefesh, la nefesh Bahamit, et transformez-la en Gdusha pour aider la nefesh à Elokit. Et ensemble, ils seront plus forts. Et d'elle, c'est les quelques dernières minutes du cours. Mais je suis contente pour tout ça là. Alors, juste pour finir, on dit la phrase très souvent « Sourmera ve asetov », repousser le mal et faire du bien. Au jour d'aujourd'hui, cette phrase ne marche plus comme ça. Au jour d'aujourd'hui, cette phrase, elle a été inversée. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas quel rabbi a dit ça. Je pense que c'est le rabbi précédent, mais je ne suis pas sûre, peut-être avant. Qu'on ne dit plus « Sourmera ve asetov », c'est « Asetov » et du coup, ça va se passer « Sourmera ». Fais du bien et après le sourmera, il va automatiquement le sourmera, c'est-à-dire repousse le mal. Sourmera avait assez d'œuvre, repousse le mal et fait du bien. Et là, c'est inversé. Fais du bien et le mal va être repoussé. Alors là, c'est ça qu'il nous dit l'Anmurazaken. Il nous dit prenez vos forces, prenez cette énergie que vous avez pour faire des choses qui ne sont pas forcément super et transformez-la en énergie positive. Quelqu'un qui a du mal à faire. Qui a des challenges dans sa vie pour faire certaines mitzvot, c'est eux qui deviennent les plus grands tzadikim. C'est ceux qui ont le plus de challenges, c'est ceux qui ont le plus de mal qui deviennent les plus grands tzadikim. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont la plus grande force. C'est eux qui tiennent en eux les plus grandes forces. Et l'Anmurazaken, il explique un peu plus tard dans un autre pérec, un machal que je trouve magnifique, d'une corde
Et le monde, en fait, disons que c'est comme ça. Là, mon pouce en haut, c'est les cieux, c'est la cuissée d'Hachem, la chaise d'Hachem. Et en bas, c'est l'endroit le plus bas du monde. Donc ça, c'est les cieux et ça, c'est le monde. Et il dit quand il y a une neshama qui vient de très, très haut, quand elle tombe sur terre, ça se plie en deux et elle arrive super bas. Et une neshama qui est tellement basse, c'est-à-dire qui fait des actions dans ce monde tellement, qui est un rachat, vraiment un rachat, c'est quelqu'un qui a une neshama qui vient d'un endroit tellement haut. Tellement, tellement haut. C'est comme une corde qu'on plie en deux, exactement symétrique. C'est-à-dire que s'il est bas, si vous voyez quelqu'un qui a des challenges, et nous-mêmes, quand on a des difficultés à faire des misotes, on a des difficultés à atteindre un but, on a envie de faire la tila, mais on n'arrive jamais à... jamais on arrive. Jamais on le fait. Jamais on arrive à... On dit, on fait une achlata, pendant un jour, ça marche, le lendemain, ça ne marche pas. On se met dans une chaîne de télim, on oublie, à la fin, on dit, bon, je vais partir sur la chaîne. On n'arrive jamais à faire avec Israël. C'est trop dur pour nous. C'est d'Afka, nous, que c'est dur pour nous, une galère, c'est exactement à ce moment-là qu'on peut devenir encore plus fort que les Tzadikim. À ce moment-là, on va transformer notre âme animale, on va prendre cet animal-là, on va le dresser, on va lui dire, tu viens avec nous, on ne va pas te repousser, on va te prendre avec nous dans notre Mitzahim. C'est à ce moment-là que ça va marcher. Et d'ailleurs, sachez que j'ai vu plein de Beit Rabban et j'ai trouvé ça magnifique. En France, je sais qu'à Sarcelles aussi, ils font beaucoup ça, etc. C'est des Beit Rabban qui prennent des jeunes, qui ne sont pas des rabbins, qui ne sont pas en chemise blanche, chapeau, etc. Des petits jeunes, tout à fait normal, des juifs, des chamottes. Et leur disent, allez, c'est vous qui allez faire Mitzahim. C'est vous qui allez tourner dans la ville et qui allez mettre les tefillines aux autres personnes. Ils prennent cette énergie-là. Au lieu que ces petits jeunes, ils vont aller faire des bêtises, aller traîner, aller rien faire, juste s'ennuyer, etc. Ils les prennent et ils leur disent, allez, c'est vous qui allez faire Mitzahim. C'est vous qui allez transformer, qui allez faire du bien autour de vous. Alors nous, aujourd'hui, on a tous une Nefesh HaBa'amit et on a envie de cette Nefesh HaBa'amit parce que sans la Nefesh HaBa'amit, on ne pourrait pas vivre. C'est la Nefesh HaBa'amit qui nous dit on va manger, on va aller dormir, on va tout ça. On a besoin de cette Nefesh HaBa'amit. On va la prendre et on va essayer de la dresser et de lui dire, tu as envie de manger? Super. Tu vas manger et après, tu vas faire des misotes encore plus. Tu as envie de faire ci, tu as envie de faire quelque chose qui n'est pas forcément bien. On prend cette énergie et on la transforme. Alors là, c'est juste le début des Prakim où la Mourazakan, il nous dit la règle générale. Il nous dit, prenez cette Nefesh HaBa'amit et transformez-la en Groucha. Et dans les prochains Prakim, Bezrat Hashem, on va voir la suite. On va voir comment on peut faire ça. Comment on peut prendre cette Nefesh HaBa'amit, comment on peut la transformer en Nefesh Elokit et lui faire croire. Donc là, on a donné une petite tactique, c'est de la manipuler et lui faire croire et lui faire comprendre la Gdoucha, la Torah, les mitzvot. C'est ça le plaisir. C'est ça le plaisir que tu recherches. Et tous les gens qui sont autour de vous et qui sont toujours, vous voyez des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, des fois 60 ans, des vieilles personnes, des personnes âgées, qui recherchent quelque chose, il leur manque un truc, elles ne savent pas quoi. Elles tournent dans le monde, elles essayent ci, elles essayent ça, etc. C'est quoi qu'elles cherchent? Elles cherchent leur Nefesh à Elokit. Elles ont cette puissance-là, elles ont cette Nefesh à Bahamit qu'elles ne savent pas quoi en faire. Et en fait, il faut juste leur donner, les guider et leur dire, vas-y, fais cette mitzvah. Et bien, nous aussi, on l'a à l'intérieur de nous. Nous aussi, on a cette âme animale à l'intérieur de nous. Et la seule chose qu'on doit faire là, c'est de la transformer et de la ramener vers la Gdoucha. Et que Bezrat Hashem, si on arrive à faire ça, on devient des Benoni, comme l'Admorazaken nous dit dans ce Perek-là, dans ce Sefer-là, de Sefer des Benoni. Et nous, c'est exactement notre but. Notre but, c'est de devenir un Benoni. C'est de prendre encore une fois cette Nefesh, de la transformer, de la rendre Kadosh et d'utiliser ça pour du bien et de faire du bien autour de nous. Alors, merci beaucoup d'être venu au cours. Voilà, on finit sur cette note. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Si quelqu'un a des questions, c'est qui l'ami? Sarah, elle a dit, mais tu me rappelles, c'est une super idée. Celles qui sont là, les filles, si vous n'avez pas encore donné sur la page, bah, au Hachem, on est en train de faire une charité cette semaine pour le Beit Rabban de Lagos et de Abuja. Donc, celles qui veulent donner, voilà, Géoula, super. Celles qui veulent donner sur le charité, ça nous ferait super plaisir. Celles qui n'ont pas encore donné et toutes celles qui ont donné, on les remercie du fond du cœur. Vraiment merci. Bravo, Mazel. Super, à vous. Allez, bisous tout le monde. Et à la semaine prochaine. Avec plaisir, Michal. Bye.